Tu nous confies laquelle? C'est la jolie petite marron sous la bâche là-bas. Ce truc? Oui. C'est du costaud en fait. C'est une Monza Spider. Oui. Cette caisse n'est pas en si mauvais état. Les portières sont correctes. Il y a un toit ouvrant? Oui. C'est une option super rare. Ouais, j'ai jamais vu ça sur une Monza. À sa sortie en 75, la Monza a été élue voiture de l'année par le magazine Motor Trend. En termes de puissance mécanique, elle plafonnait à 110 chevaux avec un petit moteur small block, 262-8 soupapes. Mais tout a changé quand les pilotes ont vu qu'on pouvait la modifier pour la rendre plus pêchue. Un an après sa sortie, en 1975, une version gonflée de la Monza dominait la série ISMA GT. En 1976 également, Chevrolet a sorti la version Spider, qui intégrait des kits haute performance et des modifs d'aspect. La Spider est alors devenue très prisée des collectionneurs de Monza. Voilà, il y a un nid de je sais pas quoi là-dedans. Ouais, elle a pas servi depuis un bail. Ouais, elle a pas de transmission? Non. Tu veux faire quoi dessus? Je vais en faire une bagnole de course pour ma femme. Elle pilote? J'ai fini par lui donner le virus. T'es cerné de tous les côtés ici. Ouais. Et puis, je veux vraiment que ce soit une surprise pour ma femme. C'est pour ça que je peux pas le faire ici. Offrir ce cadeau à ma femme, ça va la faire triper. Elle adore la course. Elle est toujours dans les parages à nous donner un coup de main. Il est temps qu'elle ait sa propre bagnole. Tu vises un temps de course précis ou pas? Je vise dans les 10 secondes 30. Ah. C'est clair qu'il me faudra un moteur balèze pour ça. Tu penses à quoi? Un small block 454. Elle va tracer. Et comment? Le point positif, c'est que ce sera une caisse rapide et on aime ça. Le point négatif, c'est que plus ça va vite, plus c'est cher. Il faudra une bonne suspension et assez de puissance pour qu'elle aille vite. Il faut des arceaux de sécurité. Des arceaux à 6 points, ça ira parce que je veux pouvoir quand même la conduire sur route. Je dirais qu'il faut 5 à 10 000 dollars de budget pour chaque seconde gagnée. Parlons prix. Ouais. Je dirais 38 000 dollars au moins. Ah, 30 000, ça n'irait pas? Tu veux qu'on se mette à poil aussi, non? 33 200. Ça va? Je suis vraiment au max. Je peux pas faire mieux, là. 33 200, ça fera l'affaire. Merci. Ok, ça marche. Mon seul souci, c'est que je crois que Vinny veut cette caisse pour lui, pas pour sa femme. Je ferais pareil. Moi aussi, si j'avais une femme. Ou une voiture? Ou une voiture. Ouais.